Salut les copains, les copines. Bon, j'ai pas l'habitude, je suis beaucoup plus drôle. Mais je parle doucement parce que les gens me font la sieste dans ma résidence. Au bout de 2-3 jours là, il y a des trucs qui me. Les gens là qui disent: Oh, je suis en dépression, ça va pas du tout, machin ou quoi. Oh, il n'y a pas tati, patata. Oh, il n'y a pas de PQ. Oh, il n'y a pas ci, il n'y a pas mi. Oh, le gouvernement, machin ou quoi. Nanani, nanana. Oui, c'est pas cool. Mais en même temps, vous avez eu des cancers, vous avez eu des grosses merdes. Vous êtes resté 6 mois en réanimation. Vous êtes resté 1 an et demi en fauteuil roulant à la maison. Juste avec le kiné qui venait, avec des tuyaux partout pour vous faire alimenter, même pas pouvoir vous laver le cul, et patati et patata. Alors, relativiser un peu les Français. Je veux bien, moi, mais 3 jours, dépression, je sais pas quoi, bah, buvez un coup, niquez, ou prenez un Xanax. Hein. Je dis ça. Je dis rien, on va dire encore que je suis scandaleuse. Moi, j'ai mon jardin, sinon vous avez des balcons, machin, et si en cas vous n'avez pas, bah écoutez, ouvrez la fenêtre et prenez l'air. Mais en même temps, confinez ou la vie, protégez les autres, premier respect, et surtout vous, à moins que vous ayez envie de crever. Moi, j'ai failli plusieurs fois dans ma vie, donc j'aimerais bien passer 2020, enfin. Surtout l'été et tout, en étant en forme. Bon, voilà, c'était un truc à la con. Mais bon, ça me saoule tellement de voir. Et puis, alors, la télé, les trucs, et Facebook, et CMI. Touchez-vous, Larry! Ça vous détendra. Allez, je vous embrasse. Lol.